Hey, salut la team, c'est le dernier jour de l'année 2020. Donc aujourd'hui, vous allez faire un AMRAP 21. Donc vous allez alterner 3 exercices avec en plus des DU. Donc dans le détail, pendant 21 minutes, vous allez devoir faire un maximum de tours. On commence avec 20 V-up. Vous enchaînez avec 21 DU. 20, 21, 2021. Ensuite 20 pike push-up, 21 DU, 20 squat jump avec une pause 2 secondes en bas, suivi de 21 DU. Et on répète ça un maximum de fois pendant 21 minutes. On verra le détail des mouvements juste après. Pour l'échauffement, vous allez simplement faire un tabata alterné. Ça va durer 4 minutes et vous allez alterner entre 2 exercices. Donc pendant 20 secondes, vous allez faire des single under. Et si vous maîtrisez, 20 secondes de double under. Suivi de 10 secondes de repos, puis 20 secondes de mountain climber. Donc là, ce mouvement, vous le connaissez bien. Position de pompe, je viens toucher les coudes avec les genoux et j'alterne les jambes pendant 20 secondes. 10 secondes de repos et je répète ça 4 fois. Ça dure 4 minutes au total. Concernant l'entraînement du jour, les V-up. 20 V-up à effectuer pour démarrer votre AMRAP. Donc je démarre en position de holo et je viens toucher les pointes de pied. Vous avez la version scale sur le body hier avec coach Yassi. On enchaîne avec 21 DU. Si vous ne savez pas faire des DU, faites juste des singles. Vous pouvez doubler, au lieu de faire 21, faites en 42. Ensuite, 20 pike push-up. Donc là, avec les pieds au sol, je lève les fesses le plus haut possible, les jambes restent tendues, je pousse la tête vers l'avant et je repousse. Et là, comme ceci. Pike push-up, 20 répétitions. 21 DU ou 42 singles. Et on finit avec 20 squat jump. Donc pause de 2 secondes en bas. Je fais un squat. 2 secondes en bas. 1, 2, je saute. Squat, 1, 2, je saute. 20 squat jump à effectuer comme ceci. 21 DU. Et je répète ça un maximum de fois pendant 21 minutes. Concernant le cooldown, vous avez 3 exercices pour faire un petit peu de stretching. On commence avec le couche stretch contre le mur. Donc là, si vous avez la possibilité de faire contre un mur, c'est le top. Vous rapprochez votre genou au maximum, le pied à plat, position de fente. Je viens me rapprocher, coller mon dos au mur, 1 minute par jambe. Ensuite, 1 minute de wall stretch. Je viens placer mes deux mains. Largeur épaule contre le mur, bras tendus, je rentre la tête dans les bras, je pousse les fesses en arrière. Je maintiens la position. Quel fesseps. 1 minute. Et le dernier exercice, je ne me souviens plus. Le calf stretch. Vous avez fait beaucoup de DU, ça va vous faire du bien. Donc contre un mur ou un poteau, là, comme ceci. Je place le pied, jambes tendues, je rapproche le bassin du mur ou du poteau. Et je maintiens la position 1 minute par jambe. Bonne année. Et doucement sur l'alcool.